الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Donc, chers frères et sœurs en islam, bienvenue pour le cours d'aujourd'hui qu'on va consacrer à une petite analyse d'un beau hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est vraiment un hadith, en quelque sorte, un rappel dont on a besoin à chaque jour, quand on se réveille, on a besoin de se rappeler de ce hadith. On a besoin de ce petit rappel du prophète, alayhi salatu wa salam. Hadith authentique a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, ainsi que l'imam al-Bukhari dans son livre qui s'appelle Al-Adab al-Mufrad, à ne pas confondre avec Sahih al-Bukhari. Imam Bukhari, il a un autre livre qui s'appelle Al-Adabu al-Mufrad. Juste une petite blague comme ça en passant. Une fois, je me rappelle, j'avais ce livre-là qui était Al-Adab al-Mufrad que je venais d'acheter d'une librairie islamique. Je l'avais entre mes mains. Après ça, il y avait un frère qui m'a dit, c'est quoi ce livre que tu es en train de lire? J'ai dit, ça s'appelle Al-Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari. Il m'a dit, ah, c'est Sahih al-Bukhari. J'ai dit, c'est pas Sahih al-Bukhari. C'est le même auteur, mais c'est un autre livre. Il m'a dit, non, c'est tous la même chose. Il faut juste du marketing. Je dis, crois-moi, c'est un autre livre. Il s'appelle Al-Adab al-Mufrad, ça veut dire Al-Adab, ça veut dire l'éthique en quelque sorte. C'est un livre qui porte sur l'éthique musulmane. Al-Mufrad, ça veut dire séparé. Il n'est pas joint au livre qui est Sahih al-Bukhari, qui parle plusieurs chapitres. Ça, c'est un livre qui est spécifique aux questions de l'éthique du musulman en quelque sorte et au Adab. Et qui est déclaré comme étant Hassan, comme dans Sahih al-Jami' ainsi que Silsila al-Sahiha. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Il dit عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم. Quiconque d'entre vous se réveille le matin et qu'il y a trois choses. Première chose, آمنا في سربه, et qu'il est en sécurité auprès de sa famille et de ses proches. Al-sirb ya'ni al-ahl. Quand on parle de sirbihi, ça veut dire al-ahl, ça veut dire ses proches et son entourage. Mu'afan fi jasadihi. Et qui se trouve en bonne santé. Il n'a pas de problème avec son corps, avec sa santé. Indahu qutu yawmihi. Et qu'il dispose de la nourriture de sa journée. Il a de quoi manger pour toute la journée. Il dit alayhi salatu wasalam, faka'annama hizat lahu الدنيا. Et dans notre narration, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. L'imam Al-Qarri, il nous explique ce hadith, il dit, ou bien cette partie du hadith, il dit, فَكَأَنَّمَا أُعْطِيَ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا. Il dit, ça veut dire que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, est en train de nous dire, celui qui se réveille et qui a ces trois choses-là, c'est comme s'il avait le monde entier entre ses mains. C'est comme s'il avait le monde entier entre ses mains. Alors que c'est vraiment trois choses dont la plupart des personnes disposent aujourd'hui, mais qu'on ignore. On ne leur donne pas leur vraie importance, et c'est pour ça que tout le monde a tendance à penser qu'il n'a pas assez, qu'il n'a rien du tout, que les autres ils ont et que lui il n'a pas. Vous voyez ? Et ça mène à kufru an-ni'am. Donc le prophète alayhi salatu wasalam veut nous conscientiser de l'importance de ces ni'am là et ces faveurs qui nous viennent d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Première chose, comme on le sait tous, quand on se réveille le matin, normalement la première chose à faire c'est de remercier Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Par exemple, le prophète alayhi salatu wasalam, il disait comme dans la sunna, l'un des du'a que le prophète alayhi salatu wasalam faisait à chaque fois qu'il se réveillait, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah qui nous a fait revivre après qu'il nous ait donné la mort. N'est-ce pas? C'est parce que le sommeil est une
forme de mort qui est mineure en quelque sorte, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى » Et dans l'autre dua aussi, le prophète alayhi salatu wasalam, il disait quand il se réveillait alayhi salatu wasalam, « اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. » Il disait, « Oh Allah, toute faveur et toute ni'ma dont je dispose ce matin-là quand je viens de me réveiller et dont dispose n'importe laquelle de tes créatures, alors elle ne vient que de toi et tu n'as point associé. » Ça veut dire toute ni'ma ne vient que d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire le prophète alayhi salatu wasalam, il nous rappelle l'importance de faire, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, en passant, quand on parle de ce hadith par exemple, et quand on va parler de tout ce qu'on va voir plus tard, inshallah ta'ala, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi parce que ça revient à nous-mêmes. Pas seulement dans le hayat et l'akhira, mais même dans la vie de ce bas monde. Parce que ce hadith, c'est quoi l'objectif de ce hadith? Ce hadith-là, il veut que tu te réveilles, comme ils disent, en bonne humeur. N'est-ce pas? Tu te réveilles et tu vois la réalité en face, tu vois ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. Tu te réveilles et tu commences ta journée de façon qui est positive. Tandis que celui qui se réveille le matin et qui commence à penser à toutes ces choses-là qu'il n'a pas encore, et les petits détails, etc., etc., c'est certain qu'il va commencer sa journée avec déjà un moins, n'est-ce pas? Il commence déjà avec, comme ils disent, une humeur qui est négative. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, dans ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, il nous rappelle ce qu'on pourrait appeler « ru'usu al-ni'am ». Ça veut dire les fondements des faveurs qui nous viennent d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. De nos jours, les gens donnent beaucoup d'importance aux choses qui sont superflues. Aux choses qui sont superflues et ne savent pas faire leur priorité en quelque sorte. Alors que même, subhanallah, si on voit, par exemple, en psychologie, occidental, sans parler de ce hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, on trouve qu'il te parle à peu près des mêmes informations. Quand il te parle des besoins de l'être humain, il te parle des besoins physiologiques, ça veut dire l'être humain, il a besoin de se nourrir, n'est-ce pas, et d'être en bonne santé, etc., etc. Après ça, il te parle des besoins, par exemple, besoin de sécurité. Et ça, c'est ça ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il te dit quand il te dit « Aminan fi » Sirbihi, n'est-ce pas? Et dans Aminan fi Sirbihi, ça veut dire quoi Aminan fi Sirbihi? Il est, alaykum salam wa rahmatullah, il est en sécurité auprès de sa famille. Donc ça c'est le besoin de sécurité. Il te parle aussi en même temps d'un autre besoin dans leur psychologie, dans, ça veut dire la psychologie occidentale, il te parle du besoin d'appartenance. Le prophète alayhi salatu wasalam, il te dit Aminan fi Sirbihi, en sécurité auprès de ses proche, ça veut dire il appartient à quelque chose, n'est-ce pas? Il appartient à une famille, etc., etc. Donc, tout ce genre de choses, ça c'est ru'usu al-ni'am. Mais par la suite, il te parle du besoin, en quelque sorte, d'accomplissement. Mais en réalité, si on va faire, si on regarde de façon qui est précise, la question de réalisation ne revient que à trois. Après le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne ça, ru'usu al-ni'am, c'est à toi de commencer ta journée et vas-y et commence à réaliser, à faire et à construire des choses. Donc, regardons ce hadith un peu plus en détail. Première chose, le prophète, alayhi salatu wasalam, comme on a dit, il nous parle de cette question-là. Jazakallah khayr, barakallah fik, mon frère. Il nous parle de cette ni'ma de la sécurité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne la ni'ma, et la faveur de la sécurité, parce que comme on le sait tous, celui qui vit dans une situation qui est insécure, celui qui vit toujours dans le doute, qui a toujours peur de quelque chose, il a un grand frein dans sa vie. Il ne peut pas avancer. Imaginez les gens qui vivent dans une situation de guerre, par exemple. N'est-ce pas ? Il a peur de sortir de chez lui. Il a peur s'il va partir, s'il va essayer de faire, de ramener al-rizq, de ramener la nourriture, de faire l'ibadah d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller au masjid. Il a peur de ne plus revenir ou bien de revenir et de ne plus trouver sa famille et ses proches, n'est-ce pas? Ça, c'est un besoin, c'est un grand ham, un besoin de sécurité parce que l'être humain, le plus qu'il se sent insécure, le plus que c'est une pression qui lui vient de l'extérieur qui va réduire en quelque sorte sa zone de déplacement et de confort, n'est-ce pas? Il va se trouver à être restreint. Donc, si toi, tu trouves que tu es en situation de sécurité, c'est un grand plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. C'est un grand plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. Et habituellement, quand la personne aussi, parfois c'est même
Vous savez, le prophète, alayhi salatu wasalam, il demandait l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre certaines choses. L'une de ces choses-là, c'est quoi? Al-jubn. Allahumma inni a'udu bika mina al-jubni wal-bukhl. C'est quoi al-jubn? C'est pas vraiment la peur, n'est-ce pas? Al-jubn, c'est quand quelqu'un est, comme ils disent en français, une poule mouillée, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a peur de tout et de n'importe quoi. C'est une peur qui est injustifiée. C'est comme une phobie en quelque sorte. C'est ça, al-jubn, quand la personne manque de courage, manque d'avancement, etc. Et c'est ça ce que ça te donne quand tu n'as pas ni'matou, al-am. Parfois, la peur est tout simplement psychologique. Comme ils disent, la personne est terrorisée par quelque chose. Et à cause de ça, elle ne bouge pas. Elle voit toujours les choses de façon qui est négative, n'est-ce pas? Elle voit que dans chaque initiative qu'elle pourrait prendre, il y a un risque. Un risque qui est énorme et que rien ne va marcher. Parce que l'expérience lui a donné de mauvaises leçons l'une après l'autre, alors il va se sentir en état d'insécurité. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, il te dit, si tu te réveilles le matin, tu te poses la première question, est-ce que je suis en situation de sécurité? Tu vas te dire oui. Une grande ni'ma déjà d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité en quelque sorte un grand pas que tu viens de franchir et tu dois par la suite avancer un peu plus par en avant. Et c'est pour ça qu'on trouve dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage à faire quoi? Le prophète alayhi salatu wasalam nous a encouragé à visiter les tombes, à visiter al-qubur, n'est-ce pas, la visite des tombes. Pourquoi? فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ. Car elle vous rappelle la vie de l'au-delà. Ça veut dire, quand tu vas voir Al-Qabr, quand tu vas visiter les tombes et les morts, etc., ça va te rappeler cette faveur et cette ni'ma de la sécurité et de l'amn que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Qu'il y a des personnes qui sont mortes, qui sont peut-être en insécurité à cause de leurs mauvaises actions, de leurs péchés, etc., 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 et que toi, tu es encore en situation et en état de sécurité parce que tu as encore cette opportunité de faire les bonnes actions, de faire ta tawba, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'espérer la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc., etc. Regardez comment dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle encourage des choses et par la suite, ça te met des moyens pour préserver cette chose-là et pour porter ton attention vers cette ni'ma qui te vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Par la suite, donc première chose, aminan fi sirbi. Aminan, tu es en sécurité auprès de tes proches. Il y a des personnes qui sont en sécurité mais qui ne sont pas auprès de leurs proches. Quelqu'un qui est, comme ils disent, quelqu'un qui a dû émigrer pour des situations, pour des circonstances politiques, autre chose. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voir leurs proches, n'est-ce pas? Et après ça, il te dit, alayhi salatu wasalam, mu'afan fi badanihi. Mu'afan fi badanihi. Si tu te réveilles le matin, deuxième chose, est que tu réalises que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné al-afiya. L'afiya, pas comme chez les Marocains, c'est pas le feu, n'est-ce pas? L'afiya, ça veut dire le bien-être. Al-afiya au sens du bien-être, ça veut dire tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé, tu n'as pas de mal, tu n'as ni cancer, ni handicap, ni autre chose. Alors là, sache que, alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma d'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et oh, combien de personnes ont tellement d'argent et tellement de telles et de telles et de telles choses, mais il leur manque, la seule chose qui leur manque dans la vie, c'est quoi? La bonne santé. Et ils sont prêts à tout sacrifier pour avoir cette bonne santé et ils ne peuvent pas l'avoir, n'est-ce pas? Parce que tout arrive avec le qadr d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Alors le prophète alayhi salatu wasalam nous rappelle cette ni'ma de la santé qui nous vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Si tu veux faire un petit exercice comme ça pour réaliser en quelque sorte c'est quoi la valeur de ni'mat as-sihha et ni'mat al-afiyah que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, fais-toi un petit exercice comme ça. Ferme tes yeux pour quelques minutes quand tu es seul à la maison et dis-toi, Si je devais choisir, si Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit je dois t'éprouver avec quelque chose dans ta santé, mais toi tu choisis, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Serais-tu prêt à donner tes yeux, ça veut dire à ne plus pouvoir voir, ou bien plutôt tu donnes tes oreilles, ça veut dire que tu ne peux plus entendre, ou bien tu vas plutôt sacrifier ta langue, tu ne peux plus parler, ou bien tu gardes tout ça mais tu donnes tes mains, tu sacrifies tes mains et tu ne peux plus toucher, ou bien tu gardes tout ça et tu vas plutôt sacrifier tes pieds et tu ne peux plus marcher. Fais juste cette expérience comme ça, cet exercice, essaie de réfléchir aux conséquences
tu vas voir que tu ne vas rien accepter de sacrifier. Il y a rien qui se sacrifie. Vous voyez? Tu vas penser à ne plus, imagine si tu ne pouvais plus voir pour le restant de ta vie, subhanallah. Tu vis toute ta vie, les gens aux alentours de toi, ils disent, regarde les couleurs, ça c'est beau, ça c'est pas beau, attention, attention. Et toi, tu ne peux rien voir. Tu ne peux rien voir. Tu marches comme quelqu'un qui ferme ses yeux comme ça, ça va être ça ta vie. Tu vas dire, non, je ne vais pas sacrifier ni'matou, al-basar. Après ça, tu vas te dire, ok, je vais plutôt sacrifier mes oreilles. Et là, tout le monde, il parle, tu vois les gens qui bougent, qui disent des choses, etc. Quelqu'un qui crie, l'autre qui rit. Toi, tu ne comprends rien. Tu leur dis, vous devez m'écrire sur un papier ou bien faire des gestes, etc. Tu vas dire, non, 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 je dois garder tout ça. Après ça, tu vas dire, ah, peut-être je préfère perdre ma langue. Mais là, tu vas voir, les gens, ils s'expriment, ils parlent et tout. Toi, tu les écoutes, tu as des choses à dire, mais tu ne peux pas parler. Tu veux exprimer tes émotions, etc. Tu ne peux pas le faire. Par la suite, tu vas dire, non, non, je veux communiquer, mais je vais perdre mes mains. Ça sert à quoi après ça? Tu peux entendre, voir, marcher, communiquer avec les gens, etc. Mais tu as plein d'idées à faire, tu veux faire des projets, etc. Tu ne peux rien faire avec tes mains, tu dois toujours demander aux gens de t'aider. Tu veux garder tes mains. Mais tu veux sacrifier tes pieds. La même chose, tu peux faire plein de choses, voir, parler, communiquer. Mais à chaque fois que tu veux te déplacer un peu, tu dois appeler quelqu'un pour qu'il t'aide, n'est-ce pas? Etc, etc, etc. Tout ça pour nous rappeler quand le prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit « Mu'afan fi jasadi ». Subhanallah, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, même les personnes, que Allah subhanahu wa ta'ala, il les éprouve dans leur corps, dans leur sahha, dans leur santé, cherche même les pires malades que tu peux trouver. Tu vas voir toujours que Allah subhanahu wa ta'ala ne les éprouve que quelque chose de très petit par rapport à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Il y a quelqu'un qui a le cancer. Il y a quelqu'un qui a un handicap dans ses mains, un autre dans ses pieds. C'est très rare de trouver quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé. Il ne peut pas entendre, il ne peut pas parler, il ne peut pas toucher, il ne peut pas parler. Tout ça en une seule personne, c'est très rare, voire même peut-être impossible et introuvable. Tout ça de la miséricorde d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Taïb, maintenant, qu'est-ce que la sharia, qu'est-ce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu selon vous pour nous rappeler cette ni'ma de la santé? On dit que pour nous rappeler la ni'ma de la sécurité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette pratique qui est de visiter les tombes. Pour la ni'ma de la santé, qu'est-ce que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu? Visiter les malades. N'est-ce pas? Visiter. Il y a plusieurs hadiths sur l'importance de visiter les malades, etc. On aurait tendance à penser que c'est parce qu'on doit avoir des liens, etc. avec nos familles, nos proches, etc. Non. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est encouragé à visiter les malades, même s'ils ne sont pas nos proches. Parce qu'il y a un bien pour eux, mais il y a aussi un bien pour nous, n'est-ce pas? Il y a des avantages pour nous, parce que quand tu vas aller, tu vas voir la personne qui est malade, etc., 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 et que toi, tu vas le visiter, tu vois, quand tu vas entrer à l'hôpital, tu vois tout le monde qui crie, tout le monde qui souffre comme ça, toutes les personnes qui sont sur leur lit, le sang qui coule, n'est-ce pas, les appareils branchés, etc. Tu vas dire, moi, de quoi je vais me plaindre? Je ne fais que me plaindre à chaque jour. Et moi, alhamdoulilah, j'entre, il y a des centaines de personnes à chaque étage. Moi, je vais sortir maintenant normal et je reviens à ma vie de tous les jours. C'est une grande ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée en quelque sorte. Je pense qu'il n'y a plus de batterie, Inch'Allah. Tayyib. Et après ça, Ikhwan, il dit, alayhi salatu wassalam, عنده قوت يومه et qu'il dispose de القوت. C'est quoi القوت? ما يقتات به, ça veut dire la nourriture, de quoi tu peux survivre, n'est-ce pas? Pas la nourriture, ça veut dire القوت habituellement, c'est pas au sens de la nourriture qui est vraiment comme quelque chose, les grands barbecues, etc. Quelque chose avec laquelle ما يقيم به صلبه, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam et les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, imaginez si on va lire dans la vie des sahaba radiyallahu ta'ala anhum, on avait des sahaba comme ashabu as-suffa, comme Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhum. Nous de nos jours on se plaint parfois que regardez c'est quoi le danger de l'extravagance, jusqu'à quel point on peut oublier les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois même nous les musulmans, sans parler bien sûr de ceux qui ne pratiquent pas, etc., même nous les musulmans parfois l'un d'entre nous il va se plaindre, ça va être le grand problème pour lui que dans la nourriture, il n'y avait pas assez de sel.
Il a fait sa commande et il vient de prendre sa commande du restaurant. Il est sorti, revenu chez lui. Et il y avait un peu de viande qui est un peu trop brûlée, etc. C'est, ça y est, il va être déprimé pour le restant de la soirée. Il n'attendait que ça, etc., etc. Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, Abu Huraira, le grand Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il devait faire quoi? Il devait attacher al-hajar, les roches, sur leur ventre, comme ça, pour pousser le ventre, pour qu'il rentre à l'intérieur et pour qu'il ne ressentent pas sa faim, n'est-ce pas? Et comme il disait que certains d'entre eux, de Ashab ou As-Suffa, ils tombaient par terre comme ça et commençaient à faire vraiment des gestes bizarres, etc. Et que certains des Sahab un peu plus aisés, ils passaient dans le masjid, ils pensaient que la personne, c'était quelqu'un qui avait une maladie mentale, n'est-ce pas? « وَمَا بِهِ إِلَّا الْجُوعِ » Et ce n'est que la faim. Ce n'est que... La faim, ça veut dire F-A-I-M. Ça veut dire qu'il n'avait pas de quoi manger. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle disait qu'on passait plusieurs jours dans la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne mangeait que al-aswadayn. Ça veut dire al-ma ou al-tamr. L'eau et les dattes. L'eau et les dattes. Nous, on ne peut même pas faire ça lors des 10 dernières nuits de Ramadan. Parfois, on essaye de le faire. On va dire, ça y est, maintenant, c'est l'ashr al-awakhir. Je veux pas trop manger pour avoir khushu', etc. Et je vais essayer de faire... On ne peut même pas faire une chose pareille juste pour les 10 dernières nuits de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam et sahaba radiyallahu ta'ala anhum, parfois plusieurs jours, ils ne mangeaient que les dattes et l'eau. Nous, de nos jours, subhanallah, on est ici peut-être l'une des villes les plus multiculturelles dans le monde, n'est-ce pas? Tu as toutes les sortes de nourriture du monde entier. Tu veux manger le chinois, l'italien, l'arabe, n'importe quel pays que tu veux. Presque tout est disponible, halal, tu fais un appel, il te livre à la maison, etc. Et c'est rare de nos jours de trouver quelqu'un qui ne peut pas acheter de la nourriture, n'est-ce pas? Même les personnes un peu moins aisées peuvent, en quelque sorte, s'offrir une pas mal bonne nourriture. Et malgré tout ça, on se plaint que je n'ai pas, et tout ça, ça vient de Shaitan. Alors le prophète, alayhi salatu wasallam, il nous rappelle, عنده قوت يومه. Qui dispose de la nourriture de sa journée, même pas demain, ne pense même pas. Si tu as quelque chose dans ton frigidaire pour manger aujourd'hui, normalement, on n'est même pas supposé être triste parce que j'ai rien pour demain. On va travailler, mais normalement, on ne va pas commencer à penser, mais demain, je n'ai pas de nourriture et un grand problème, etc. Non, sors, travaille, ramène le risque, et demain, inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner quelque chose de nouveau, mais on a tendance, encore une fois, à oublier. Et il y a une pratique que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala a prévue pour nous rappeler cette ni'ma de la nourriture, qui est quoi? As-sawm, le jeûne, n'est-ce pas? Le jeûne. L'un des objectifs du jeûne, bien sûr, ce n'est pas le seul. Il ne faut pas le voir comme le premier, parce que ce n'est pas le premier objectif du jeûne. Il y a certaines personnes, quand ils veulent expliquer pourquoi un jeûne, c'est parce qu'on doit, se rappeler des personnes qui sont défavorisées, etc. Ce n'est pas ça le premier objectif du jeûne. Le premier objectif du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi ? La'allakum tattaqoun. C'est pour atteindre at-taqwa, pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous dissocier du monde matériel, etc., etc., pour nous éloigner de al-hayat al-dunya et de notre, en quelque sorte, de nos dépendances, de la nourriture, etc. Mais l'un des objectifs d'un somme, qui est quoi? Qui est de partager le sentiment de nos frères et de nos sœurs qui n'ont peut-être pas de quoi manger. Au moins, tu vas, en quelque sorte, souffrir pour un certain temps, en sachant qu'à la fin de la journée, il y a tout un festin qui t'attend, n'est-ce pas? Tu le sais qu'à 8 heures précises, je vais pouvoir manger, alhamdoulilah, la nourriture est prête. Mais malgré ça, tu vas dire, ah, c'est difficile, etc. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on se rappelle que qu'est-ce que ça aurait été si le jeûne c'était à chaque jour. Que c'est ça notre suhur, notre futur, etc. L'eau et les dattes, et c'est tout, ou peut-être même pas d'eau comme on peut le trouver dans certaines situations. Donc, ces trois ni'am-là, en somme, qu'on vient de détailler, on les trouve dans ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, mais on les trouve aussi dans plusieurs versets dans le Coran, al-Karim. Regardez par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il nous parle, ça c'est un verset qu'on connaît tous, « L'ilah fi Quraishin, ilah fi him rihlata, ash-shita'i was-saif. » Qu'est-ce que ça veut dire, « L'ilah fi Quraish » C'est quoi l'ilah? Ça vient de « ya'lafu ». N'est-ce pas ya'lafu? Ça veut dire Quraysh, la tribu de Quraysh, c'est comme s'ils se sont en quelque sorte habitués, n'est-ce pas? Et ça, c'est le grand problème. Quand tu t'habitues au ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça devient comme un acquis, que c'est certain que tu ne le vois plus. C'est comme si ça fait partie de toi, que
ça t'est garanti, alors que ce n'est pas la réalité. Si on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être ces ni'am vont partir. Alors les ilafi Quraysh, après ça, à la fin du verset, فَلْيَعْبُدُوا bien à la, verse de, à la fin de la surah, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala les a nourris contre la faim. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, et les a sécurisés contre la peur. La même chose que le prophète alayhi salatu wa sallam nous mentionne ici. La nourriture, عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, et la sécurité, aminan fi sirbi. Regardez l'autre verset, la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à Quraysh. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit awalam numakkin lahum haraman aminan. On leur a accordé un haram, ça veut dire la Mecque, n'est-ce pas? Le haram, c'est le territoire qui est défendu de la Mecque, aminan. Et dans l'autre verset, وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a mis toujours le haram, la Mecque et ses alentours. Toujours, c'est une région qui est sécurisée, n'est-ce pas? C'est une région de paix. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, « Ya Quraysh, je vous ai donné cette partie-là du monde qui est la partie la plus pacifique en quelque sorte, et vous vivez devant le Kaaba qui est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez l'amn, vous avez la sécurité. يُجْبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ. Les fruits de toutes sortes, yujba ilay, sont toujours portés à la Mecque. Pourquoi? Parce que même lors, ou bien avant le temps du prophète, alayhi salatu wassalam, les gens, même mouchriquins, ils faisaient le hajj, ils faisaient le pèlerinage à la Mecque. Donc c'était un grand revenu économique pour la tribu de Quraysh. Et les gens, quand ils venaient au hajj, ils ramenaient avec eux tous les fruits du monde. N'est-ce pas quelqu'un qui ramène de l'Inde, de l'autre? Donc n'importe quel type de fruits, de nourriture, de biens, tout le monde ramenait ça vers la Mecque. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il leur rappelle ces ni'am-là que eux ils ont oublié. C'est pour ça qu'ils associent d'autres divinités avec Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Regardez Ibrahim alayhi salam, quand il a fait le dua pour al-baytu al-haram, pour la Mecque, pour al-baladu al-haram. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min al-thamarati man amana minhum billahi واليوم الآخر. ربي إبراهيم عليه السلام يدي أو مون سينيور اجعل هذا بلدا آمنا. Fais de ce territoire un territoire qui est secure, dans lequel il va y avoir la paix et la sécurité. وارزق أهله من الثمرات. Et accorde aux gens qui sont à l'intérieur, à ceux qui vivent dans ce territoire, الثمرات, les différentes formes de fruits. Encore une fois, la nourriture, n'est-ce pas? عنده قوت يومه من آمن منهم باليوم بالله واليوم الآخر. Après ça, Ibrahim alayhi salam, il a voulu spécifier son dua. Il a dit, oh Allah, je veux que les fruits n'arrivent que à ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Alors qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu au dua de Ibrahim alayhi salam? قال ومن كفر. قال ومن كفر. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et même celui qui m'écroit, pas seulement aux croyants, même celui qui m'écroit de Quraysh, je vais lui donner al-thamarat et la paix, etc. 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 وَمَنْ كَفَرَ فَسَنُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. On va lui donner un peu de matière jusqu'au jour où il va retrouver Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire que c'est un petit matière, un petit istidraj, des ni'am qui nous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, seulement pour ceux. Cette vie du bas monde, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans l'autre verset, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que الطيبات, les belles choses, les bonnes choses qui sont pures, le halal, etc., que ce soit la nourriture ou bien toute autre forme de bien qui est halal, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ça, هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. C'est pour les croyants, mais pas seulement pour les croyants, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu toutes ces khayrat pour les croyants parce qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas exclu des mécréants qui ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Même eux, ils vont avoir accès aux ni'am qui sont normalement supposés être pour les croyants. Mais khalisatan yawm al-qiyamah, le jour du jugement, c'est seulement pour les croyants. Les mécréants n'auront accès à aucune ni'ma d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs,
L'idée que nous véhicule encore une fois ce hadith, c'est que le prophète, alayhi salatu wasalam, il veut de nous qu'on regarde toujours les ni'am d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Un bel exemple qui est habituellement donné, c'est, vous le connaissez, je suis certain, c'est l'exemple de la bouteille d'eau. Ça veut dire, une bouteille d'eau, si je vais enlever un peu d'eau, et je vais dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille? Une personne qui est négative, il va te dire, c'est une bouteille qui est à moitié vide. Il y a un autre qui va te dire, c'est une bouteille qui est à moitié remplie, qui est presque toute remplie, n'est-ce pas? Donc lui, il regarde déjà la situation de façon qui est positive. Il voit ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il sait qu'il ne reste qu'un petit peu de plus à faire, n'est-ce pas? Et ça, c'est garanti pour la plupart des personnes, surtout de nos jours, n'est-ce pas? On vit dans un monde matérialiste que Allah subhanahu wa ta'ala, on pourrait appeler ça l'air pour nous, bien sûr, pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui souffrent, etc., en Afrique, mais Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un pourrait nous dire, ça c'est une question qui se répète beaucoup. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont pauvres, etc., etc.? Parce que ces personnes, tout simplement, celui qui pose cette question, n'a pas compris que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour nous éprouver, et il nous éprouve avec le bien et avec le mal. « Wa nabluukum bisharri » On vous éprouve avec le mal, wal khayri. Ça veut dire, ne pensez pas que c'est juste avec le mal, c'est aussi avec le bien. La plupart des personnes ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve avec le bien. Et c'est pour ça que la plupart des personnes tombent dans la fitna du bien, pas dans la fitna du mal. Si tu vas voir les gens qui sont pauvres, etc., tu vas voir dans plusieurs situations, la vie est dure, etc., mais il va te dire, wallahi sabri, on est patient. Qadarullahi azza wa jal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Juste hier, je voyais cette vidéo, très triste en tout cas, mais ce n'est pas notre sujet. Il y a des frères qui sont partis dans une région éloignée de l'Égypte, Saïd ou Misr, ça veut dire dans le sud de l'Égypte. Ils sont partis vers certaines zones tribales pour voir dans quelle situation se trouvent les personnes. Yani, subhanallah, dans un tel pays plein de tourisme, etc., les touristes qui viennent, et le khayrat, etc., subhanallah, des personnes, tu penses que c'est des personnes qui vivent dans les tribus de l'Amazon, etc. Des gens qui vivent, il y a des personnes qui vivent entre quatre toits comme ça, il a sa propre maison. Bien sûr, ni lumière, ni téléphone, ça on peut le comprendre. Il n'y a même pas de toit. La maison est sans toit. Et ça, c'est pas une personne, deux personnes. C'est des tribus qui vivent comme ça. Et quand ils leur demandent, qu'est-ce que vous avez? Alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'est-ce que vous avez mangé? Alhamdulillah, on a mangé, alhamdulillah. Qu'est-ce que vous avez mangé? On veut savoir qu'est-ce que vous avez mangé. Wallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Après ça, le frère, juste pour les tester comme ça, il a dit, est-ce que je peux manger chez vous aujourd'hui? Alors l'homme, il dit, wallah, on n'a pas vraiment de... On a rien à t'offrir, on s'excuse. Mais alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Alors la dame, elle dit, wallah, ça fait quelques jours, je n'ai pas mangé de pain, j'aimerais ça manger un pain. L'autre dame, elle dit, j'aimerais ça que quelqu'un nous ramène un peu d'eau, parce qu'on n'a pas de fontaine d'eau ici. Vous voyez, des personnes qui vivent dans rien du tout, et qui disent, alhamdulillah. Il y a des personnes qui vivent dans des milliards, et qui disent, je n'ai pas, Dieu ne m'a pas donné. Pourquoi est-ce que Dieu toujours il m'éprouve moi? Dieu, il n'est pas miséricordieux, n'est-ce pas? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. Ça, c'est l'autre contraire. Ça, c'est les personnes qui tombent dans la fitna du mal et pas dans la fitna du bien. D'autres personnes, il y a des personnes qui sont plus tentées à être patientes dans les temps difficiles, mais ils ont du mal à remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans les temps de facilité. À d'autres personnes, c'est le contraire. Qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala dans les temps de facilité, mais qui ont du mal à être patients. Comme cette personne-là, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. L'être humain, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve, ça veut dire avec le mal. فَيَقُولُ رَبِّي فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. L'être humain, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve, regardez ici, avec le bien. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. Ça veut dire, oh Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, hein? Akramani, ça veut dire il m'a donné de la valeur, il me prend en charge, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime. Comme il y a des personnes qui disent, il y a des personnes, min jahlihim billahi azza wa jalla, de leur ignorance
d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pense que le plus qu'il a de l'argent, le plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime. Le plus que son commerce fonctionne, le plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime. Et il tombe dans le ghurur. N'est-ce pas comme les savants ils disent, « إذا رأيت الإنسان أو إذا رأيت المرأة ينعم الله تعالى عليه وهو مستمر في معصيته » Si tu vois quelqu'un, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne du bien, et lui il désobéit encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore plus de bien, et lui il désobéit encore plus, etc. etc. « فَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَدْرَجْ » Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le tirer vers la grande punition. وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. N'est-ce pas? Les personnes qui sont toujours comme ça, ils te disent, tant que regarde, si Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné beaucoup d'argent, ça veut dire que je suis en train de faire le bien. Alors je continue sur ma voie. Je ne fais pas ma prière, je fais du mal aux autres, etc. etc. parce que je sais que Dieu, il m'aime, parce qu'il me donne beaucoup. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Si Allah subhanahu wa ta'ala éprouve l'être humain, فَقَدَرَ أَيْ فَضَيَّقَ, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui rétrécit son risque, n'est-ce pas, il se trouve en situation de difficulté, il n'a pas de quoi payer son loyer ce mois-là, etc. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. Il va aller à l'autre extrême, il va dire, mon Seigneur m'a maltraité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Kalla. Ce n'est pas vrai. Ce n'est ni ça, ni ça. Ça n'a rien à voir. La ni'ma, ainsi que la ni'ma, ou bien le mal et le bien, ne font de toi ni une bonne personne, ni une mauvaise personne. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui va faire de toi une bonne ou une mauvaise personne, c'est ta réaction envers cette ni'ma, ou bien ce Ibtila, si tu vas être patient dans les temps difficiles, ça veut dire tu es une bonne personne. Si tu vas être reconnaissant dans les moments d'aisance, ça veut dire tu es une bonne personne. À part ça, tu es une mauvaise personne et tu as un problème avec ta foi et ta relation avec Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam, regardez ce qu'il nous dit dans Sahih Muslim. Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il dit عليه الصلاة والسلام, regardez toujours celui qui est moindre que vous et ne regardez pas celui qui est meilleur que vous ou bien au-dessus de vous. Parce que pourquoi? فهو أجدر, parce que comme ça vous allez être plus encouragé à ne pas sous-estimer la ni'ma, la valeur des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordées. Tu vois? Alors, le prophète alayhi salatu wasalam nous demande ici de toujours se comparer. Les gens de nos jours, ils aiment beaucoup se comparer, surtout avec toute cette culture des médias, n'est-ce pas, l'internet, etc., de nos jours, Facebook et tout. Ça, c'est une grande fitna. Surtout, je m'excuse surtout pour les sœurs, n'est-ce pas, pour tout ce qui est des biens, etc. Alors, les sœurs, elles aiment beaucoup regarder sur Internet qu'est-ce que sa voisine, elle a mis pour telle chose et telle chose. Ah, elle a cette bague, n'est-ce pas? Et moi, mon mari ne m'a pas acheté la bague de la même chose, etc. Non, le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a dit, regarde toujours celui qui est moins que toi. Ne regarde jamais celui qui est meilleur que toi. Parce que première chose, il est en train d'être éprouvé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, la question de mieux ou pire, c'est une question qui est relative. Parce que toi, tu es en train de juger de façon qui est relative, ce qui est complètement injuste, n'est-ce pas? Toi, tu vois quelque chose, tu vois que lui, il a la belle Mercedes, etc. Et toi, tu dois prendre, mettons, le bus à chaque matin, etc. Ça, c'est une partie de sa vie que toi, tu peux voir. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il a dans sa vie, dans les détails de sa vie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a le cancer, wal'iyadu billah, l'autre qui a un grand problème avec sa famille, avec ses parents, etc., etc. Il y a toute une autre dimension que toi, tu ne connais pas, que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît. Et même si on va comme ça assumer que lui, il est meilleur que toi, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné plus et meilleur que toi, alors tu dois être certain qu'il y a toujours la majorité des personnes sur cette terre qui sont pires que toi. Juste le fait de penser, quand tu penses comme ça, qu'il y a des millions de personnes, il y a des pays entiers, des villages entiers qui n'ont pas le centième de ce que toi tu possèdes. N'est-ce pas? Quand tu penses à c'est quoi ton revenu, mettons, annuel, etc.
et tu vois qu'il y a des gens qui travaillent dans d'autres pays qu'on appelle les pays du tiers-monde, les pays pauvres, etc., que lui, il y a, comme dans certains pays, mettons le revenu moyen de la personne par mois, c'est quelque chose, je pense, comme 40-50 $. N'est-ce pas que toi, tu peux faire en une seule journée ici, tu vas voir le grand écart entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et ce que l'autre personne, elle a. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, il te dit, compare-toi toujours à celui qui est moindre que toi, ne te compare pas à celui qui est meilleur que toi. Et c'est parce que aussi, ça revient à une question de détermination. Parce que la ni'ma, comme on l'a dit, ça ne change rien. Il y a des personnes, regardez, il y a des gens qui sont nés dans des familles riches, n'est-ce pas, aisées, leurs parents leur ont tout donné. Le monde, comme ils disent, est une claque de doigts, n'est-ce pas, de eux, n'importe quelle chose qu'ils aimeraient avoir, ils vont avoir. Et personne, après ça, ces personnes-là ont grandi et sont devenues des exemples et des modèles de personnes ratées dans la vie, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas pu prendre l'opportunité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme bien. Mais toi, avec peut-être le peu que toi tu considères le peu, si tu regardes ça de façon qui est positive, tu vas le prendre, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas concrétiser beaucoup plus que ce que l'autre personne elle a fait. Et un bel exemple à donner pour ça, bien sûr, c'est suffisant pour nous de regarder le taux de suicide, n'est-ce pas, dans les pays de nos jours, les pays aisés, les pays qui sont riches, etc., etc. Tu vas voir un taux de suicide qui est extrêmement élevé, alors que dans plusieurs autres pays, jusqu'à très récemment, ils ne savaient même pas c'était quoi ça le suicide. N'est-ce pas, quelqu'un qui se suicide pourquoi? Il va te dire, je me suicide pourquoi? Tout le monde est comme moi, tout le monde est en train de souffrir comme moi, c'est normal, n'est-ce pas? La vie, c'est une souffrance. Je me rappelle, subhanallah, une fois, j'étais en train de faire un cours, on parlait de as-sabr. On parlait de as-sabr, riyadu salihin, on parlait du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, la yatamannayanna ahadukum al-mawta li durrin nazala bihi, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Que personne d'entre vous ne souhaite la mort à cause d'un simple mal qui lui tombe dessus. Il te dit, alayhi salatu wassalam, pas tu ne te suicides pas, il te dit, ne souhaite même pas la mort. Ça veut dire quoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit, soit et une personnalité qui est forte, fais face aux difficultés. C'est pas comme tu vas lâcher au moindre truc, tu vas dire ah, je souhaite mourir, etc., etc. Et des personnes qui vont se suicider. Il y avait une sœur qui était convertie dans le cours. Elle a levé sa main, elle a dit, j'aurais aimé, avant même d'être de devenir musulmane, j'aurais aimé que je connaissais ce hadith-là et j'aurais souhaité pouvoir le dire à tous les non-musulmans que je connais. Elle a dit, parce que nous, dans notre culture, de nos jours, moi, dans mon entourage, la façon dont on a été élevé, c'est que à la moindre difficulté, la première solution, c'est suicide-toi. N'est-ce pas? Suicide-toi, wal-iyadu billah, c'est parce que les gens ne voient pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Ne voient pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Il y a des frères parfois qui ont des problèmes avec leurs enfants qui me disent, moi, mon fils, wal-iyadu billah, il s'est vraiment pris, comme ils disent, le mauvais chemin, j'ai tout essayé, etc., etc. Parfois, je leur dis, écoute, mon frère, si tu veux une solution, ton fils, peut-être, il vit dans al-ghurur, dans l'extravagance. N'est-ce pas? Tu l'as, comme ils disent, tu lui as donné une vie qui est trop facile, n'a jamais fait face aux difficultés. Bien sûr, quand la personne n'a rien à faire dans sa vie, à part at-tamattu', n'est-ce pas, de profiter du bien après bien, de jouer, de jouer, de jouer, même quelqu'un qui grandit et ne fait que jouer parce que la vie est facile pour lui. Habituellement, ça pousse vers le tourien, vers la désobéissance d'Allah, etc. Comme Allah il nous dit d'ailleurs dans le Coran Karim, Kalla inna l'insana la yatra arra'ahu istaghna. Istaghna, quand la personne pense que tout est garanti, je n'ai pas besoin d'Allah, ni rien du tout, ça y est, tout est acquis, n'est-ce pas? Alors, yatra, il va dépasser les limites, il va transgresser les limites d'Allah. Alors, il y a certains frères que je leur dis, écoute, cherche-toi n'importe quel pays, un village quelque part conservateur où les gens ils ont un minimum de valeur, bien sûr, etc. Mais comme ils disent, où la vie est un peu tough, difficile. Envoie-le là-bas juste pour 2, 3 mois. Et tu vas voir la différence, inshallah. C'est parce qu'il va aller là-bas, il va voir c'est quoi la vraie vie. N'est-ce pas? Comment d'autres personnes ailleurs dans le monde, ils sont en train de vivre. Et tu vas voir la grande différence sur la personnalité de cette personne. Et c'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parfois, il nous éprouve avec le mal. Parce qu'il sait que le mal pourrait être meilleur pour nous en tant que personnes faibles dans notre iman que le bien qui nous pourrait, en quelque sorte, qui pourrait nous emmener vers la désobéissance. Et le même, al-kufr wal-iyadu billahi ta'ala. Et bien sûr, on doit toujours se rappeler
Et en passant, juste une petite parenthèse. Quand on a parlé de ce hadith, quand on se compare toujours à celui qui est moindre que nous, est-ce que ça c'est dans toutes choses ou bien dans certaines choses seulement? Dans l'iman, il faut regarder plus haut, n'est-ce pas? Donc, ce hadith-là, il nous parle plus spécifiquement des questions de al-hayat, al-dunya, ça veut dire côté matériel, ça veut dire. On ne peut pas dire, ouais, c'est ça, mais moi je fais pas mes prières, c'est parce que le prophète, il a dit, compare-toi toujours à celui qui est pire. Parce qu'il y en a qui ne croient pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est logique? Non. Exactement. Donc, quand on parle de l'a'mal, saliha, al-khayrat, etc., 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 il faut toujours voir celui qui est meilleur que toi. Parce que c'est ça, vraiment. L'objectif pour lequel on a été créé. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à chaque fois « وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » N'est-ce pas ?« وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ » C'est le domaine de la concurrence, ça veut dire l'a'mal as-saliha. Même si les savants, ils ont mentionné aussi un petit qaïd ici, c'est que même dans la question de la religion, tu regardes toujours celui qui est meilleur que toi, mais avec, comme ils disent, avec une... Avec un certain seuil qui est raisonnable. Ça veut dire, ne regarde pas ce qui est trop loin, trop haut pour toi, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas de nos standards, comme on dit. C'est pour ça que, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne sois pas triste en te disant, ah, c'est parce que moi, je ne suis pas comme Sahaba, je ne suis pas comme Abu Bakr, comme Omar, etc. Tu les prends comme ton modèle, n'est-ce pas? Mais si tu vas te mettre à te comparer toujours à Abu Bakr et Omar et moi, pourquoi est-ce que je ne suis pas comme eux dans ma vie, etc., n'est-ce pas? Et ça, subhanallah, on le trouve dans les paroles de l'un des... Wallahi, je ne me rappelle plus si c'était l'un des sahaba ou bien l'un des tabi'in. Mais il y avait une partie de personnes qui ont commencé à souhaiter et à espérer. Ils ont dit, oh si seulement on faisait partie des sahaba, radiyallahu anhu. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, nous avait créé lors du temps du prophète alayhi salatu wasalam. On aurait tant aimé ça. Chacun d'entre nous pourrait dire la même chose. N'est-ce pas? C'est plus émotionnel. C'est un langage. On ne calcule pas c'est quoi? Sa réalité. Mais alors le sahabi ou bien le tabi'i qui était l'un des a'imma qui leur a répondu, il a donné une réponse bizarre à laquelle tu ne peux pas t'attendre. Il a dit, pourquoi vous voulez vous faire et vous mettre dans une situation d'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala ou bien dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mis. فَإِنَّ أَقْوَامًا إِبْتَلَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَكَفَرُوا بِهِ فَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ. Imagine si nous on était avec le prophète alayhi salatu wasalam aujourd'hui et qu'il te dit lui-même, fais et ne fais pas, c'est pas un hadith que tu vas lire et tu vas désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. Que le prophète alayhi salatu wasalam, il te dit, viens avec moi défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et toi tu vas dire non, non, je préfère ma vie du bas monde, etc., etc., etc. C'est pour ça que tu trouves à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala parle de al-munafiqin. Al-munafiqin. Wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha, n'est-ce pas? Etc., etc. Parce qu'ils étaient lors du temps du prophète alayhi salatu wasalam. Alors là, tu fais ton choix. Soit tu es comme le sahaba ou bien tu n'es rien du tout, n'est-ce pas? Donc on doit avoir un certain niveau de contentement même dans notre pratique religieuse. Ça veut dire bien sûr pas de désobéir à Allah, pas de tomber dans le haram, etc. On doit tous faire les obligations et tous éviter les interdits. Ça c'est standard pour toute ère et pour tout temps et pour tout lieu. Mais il y a après ça, cet extra qui est infini de toutes les mustahabbat et les bonnes actions, nawafil, etc. que tu peux faire en plus. Alors ça fait toujours d'autant mieux. Essaye toujours d'avancer, mais ne te dis jamais et ne sois jamais déprimé comme ils disent parce que tu n'es pas comme Abu Bakr, comme Omar, radiyallahu ta'ala anhuma wa an ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça c'est un niveau que bien sûr nous on ne peut pas atteindre et qui ne fait pas en quelque sorte partie de notre capacité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous remerciez, si vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner plus. Et si, wala in kafartum,
Et si vous reniez les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous dites toujours « Ah, moi, je n'ai pas grand-chose, ah, l'autre, il a, moi, je n'ai pas, Dieu ne m'a pas donné, etc., etc., etc. » « Inna adabi la shadid » Allah subhanahu wa ta'ala nous menace de sa punition qui est sévère, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans notre hadith qui est dans Sahih Muslim, « Law kana libni adama wadiyani min malin labtara wadiyan thalithan » N'est-ce pas, il dit, alayhi salatu wassalam, si l'être humain, il avait deux rivières qui étaient pleines d'or, comme dans certaines narrations, ou bien d'argent, ça veut dire de biens, n'est-ce pas, et de trésors, il aurait demandé un troisième. L'être humain, il ne va jamais être satisfait dans al-hayat al-dunya. La satisfaction complète et absolue par le matériel est inatteignable dans al-hayat al-dunya, parce que tu ne vas jamais posséder tout cet univers dans ta main. C'est impossible. Tu vas toujours chercher plus. Si tu vas suivre tous tes besoins et toutes les idées que tu as à chaque fois, ah mais ma voiture, j'aimerais bien ajouter quelque chose comme ça dans les roues pour que ça brille. Une fois que ça va briller, ah mais aujourd'hui, ça fait une semaine déjà que c'est un peu rendu sale, n'est-ce pas? Je dois acheter le nouveau produit, etc. Ça ne va jamais se terminer. Si tu vas suivre ce chemin, tu es cuit parce que tu ne vas jamais t'arrêter. Après ça, il te dit, alayhi salatu wassalam, il nous percute. Regardez comment, ça c'est parfois, c'est un style de rappel, n'est-ce pas, une stratégie de rappel du prophète, alayhi salatu wassalam, il te percute. Il te dit que l'être humain, c'est ça sa nature. Même avec deux rivières d'or, il ne va pas être satisfait, il va chercher une troisième. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il change complètement de cap, il te dit, وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا أَتْتُرَابُ. La seule chose qui va remplir la bouche et le ventre de l'être humain, il n'y a pas quelqu'un qui a eu tellement d'or qu'il a rempli son ventre comme ça d'or et sa bouche d'or. Et qui a dit, ça y est, maintenant, je suis satisfait, je suis moi-même rempli d'or. Il te dit, allez, ça, tout ça, non. « Walan yamla afahu » La seule chose qui va le remplir à l'intérieur, c'est quoi? C'est « at-turab ». C'est la terre, une fois, qui va être dans sa tombe. N'est-ce pas, ça veut dire espère ce que tu veux, souhaite ce que tu veux et les meilleures idées que tu veux, tu vas finir dans ta tombe comme toute créature. Wa yatubu Allahu 'ala man tab. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repentit vers lui. Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et on va se terminer avec une petite histoire comme ça, qui est en deux phrases en réalité, que l'un des ulama, il est entré chez l'un des khulafa, l'un des califs. Vous savez que les ulama du passé, les grands ulama, les vrais ulama, pas ceux qui cherchaient à avoir des chèques, etc., pour donner les justifications gratuites comme ça. Les vrais ulama, n'est-ce pas, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils préféraient ne jamais visiter un sultan, ne jamais aller chez les dirigeants, sauf pour le rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, en passant, ça c'est un... Ça, tu regardes, subhanallah, si tu regardes juste cet aspect, tu vas regarder un peu plus profondément, tu vas voir comment est-ce que les musulmans, ils ont eu cette longueur d'avance depuis le temps du prophète alayhi salatu wassalam dans la dissociation entre ce qu'on pourrait appeler l'autorité exécutive et entre ce qu'on pourrait appeler l'autorité qui est législative, entre guillemets. Parce que normalement, l'autorité législative, al-musharri', c'est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On n'a pas vraiment de quelqu'un qui fait la législation. Mais on a des personnes qui nous passent la législation, qui nous passent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous expliquent c'est quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il n'aime pas. Et tu vas trouver, en général, il y a toujours eu ce clash à travers l'histoire entre l'ulama et al-hukam. Tous les grands imams, il y a même un livre, ceux qui peuvent lire l'arabe, il y a un shir qui a été exécuté d'ailleurs par Saddam Hussein, ça fait quelques années. L'un des ulama de l'Irak, Cheikh Abdullah Yusuf al-Badri ou quelque chose comme ça, il a un livre qui s'appelle « Al-Islam bayna al-ulama'i wal-hukam ». L'islam entre les savants et les hukam. Ils te donnent des centaines d'exemples comme ça et d'histoires. Comment est-ce que les ulama, ils ont toujours été un peu durs sur les hukam, sur les dirigeants. Pourquoi? Pas par arrogance ou autre chose, mais pour garder cette, en quelque sorte, ce double, cette balance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir qui te passe la législation d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Alors tu trouves que toujours les ulama, ils entrent chez les hukam pour le rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'un des ulama, une fois, il est entré chez un calife. Il lui a dit, écoute-moi, j'ai une question à te demander. Si tu n'avais rien pour manger
Et que la seule option que tu as, c'est cette petite luqma, une petite bouchée de nourriture. Et que tu ne peux la manger à part en sacrifiant la moitié de ta richesse. Est-ce que tu es prêt à le faire? Si tu ne peux pas manger, pour des raisons de santé ou bien pour n'importe quelle autre raison, mais pour avoir ce petit plat de nourriture, pour que tu y aies accès, tu dois sacrifier la moitié de ta richesse. Est-ce que tu es prêt à faire? Il a dit, bien sûr, je n'ai pas d'autre choix. Il a dit, et après ça, si une fois que tu vas le manger, tu ne peux pas t'en débarrasser de ton corps, sauf si tu dois sacrifier l'autre moitié de ta richesse. Est-ce que tu es prêt à le faire? Alors il a dit oui. Alors il a dit, ittaqillaha subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, crains Allah subhanahu wa ta'ala dans un mulk qui ne vaut pas une bouchée de nourriture. Que tu es prêt à sacrifier pour une bouchée de nourriture, comment est-ce que tu vas sacrifier ta akhira pour ce petit mulk qui n'a aucune valeur en réalité de al-hayat ad-dunya qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des êtres qui sont reconnaissants. Hada wa akhiru da'wana alhamdu lillahi rabbil alamin. Inch'Allah ta'ala, si vous avez des questions avant salat bi'idnillahi azza wa jalla. Très bonne question. Le frère, il dit, si l'employé, il demande une augmentation de salaire auprès de son employeur, n'est-ce pas? Sachant bien qu'il fait son travail comme il faut, il mérite. Oui. Est-ce que ça, c'est contre le qana'a, contre la satisfaction? La réponse est que non. Parce qu'attention ici, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Ici, c'est une question de qana'a dans le cœur. L'islam n'est pas une religion de rahbaniya qui te dit, et c'est pas ça ce que j'essaie de vous dire, il y a des gens qui s'en portent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils mal interprètent parfois. Regardez, ça arrive beaucoup. Il y a des gens qui mal interprètent le message de certains du'at ou bien de certains savants, etc. Et que lui, par sa mauvaise interprétation, il s'est dit, ah, ça veut dire dans la religion, je ne dois pas avoir d'argent, etc. Il va sacrifier sa vie comme ça pendant quelques années. Après ça, un jour, il va voir le même savant comme ça et qui a une belle voiture et tout. Ah, ça veut dire lui, il nous dit, nous, on ne vit pas et lui, il est en train de vivre dans la richesse, etc. Non, comme on l'a dit, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit dans le Coran le Karim, وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part de ce bas-monde. Sauf que ici, comme Ali radiallahu ta'ala anhu, il a dit, fais de al-hayat ad-dunya, mets-la dans ta main, entre tes mains, et ne la mets pas dans ton cœur. Parce que le hayat ad-dunya, toutes les richesses et l'augmentation de salaire que tu demandes, autre chose, ça doit être un moyen pour l'akhirah, ça ne doit pas être la fin. Ça veut dire, toi, tu te réveilles le matin, tu fais de ton mieux, n'est-ce pas? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Vas-y, cherche le rizq. Essaye, même si tu peux trouver des millions qui sont halal, si tu peux devenir millionnaire halal, vas-y, tant que c'est dans le halal, tant que ça te ne fait pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu termines ta journée, tu dois te dire, si j'ai gagné 1 dollar à la fin de ma journée, si j'ai perdu 1 dollar, ou bien que j'ai gagné 1 million, ou bien que j'ai perdu 1 million, Alhamdulillah, tout est avec le qadar d'Allah azzawajal, et tout est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, et tout est une épreuve. Ça veut dire que tu ne dois pas être en colère contre le qadar d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal à demander ton droit en tant que tel. Et ça, tu me rappelles une question qui est importante, parce qu'un frère, l'autre fois, il m'a demandé cette question. Il m'a dit, mais regarde, toutes ces personnes-là qui sont en train de faire des manifestations partout dans les pays musulmans, etc., ils demandent une augmentation de salaire, des travaux, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent? Je dis, mais dinullah azza wa jalla, il t'a pas dit que c'est interdit de te plaindre, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te traite de façon qui est injuste, quand ton droit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'attention, on a très fréquemment une mauvaise interprétation, mauvaise compréhension de notre religion. On pense que notre religion, c'est une religion qui est simpliste comme ça, qui te parle juste, ouais, mais alhamdoulilah, dis alhamdoulilah. Quelqu'un, il te fait du mal, toi, tu veux réclamer ton droit, l'autre frère, il te dit, ya akhi, alhamdoulilah, pardonne, pardonne. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu veux pardonner, c'est mieux. Si tu ne veux pas pardonner, c'est ton droit. N'est-ce pas? Wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le muhsinin. Si tu veux dire, moi je garde, je vais pardonner, je vais oublier, je laisse ça pour l'akhira, si tu as ce degré de foi, alhamdulillah, vas-y, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te remplacer dans l'akhira. Mais si tu dis, non, non, moi je réclame mon droit, il n'y a pas de problème. Regardez, il y a le hadith de sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, qui je pense soit dans Bukhari ou bien Muslim. Quand il est venu au masjid, il y avait un des sahaba qui était pauvre, il avait besoin de l'argent, il est venu au masjid. À son arrivée au masjid, ça ne donne pas les détails techniques dans le hadith, mais c'est ça ce qu'on peut comprendre. En résumé du hadith, c'est que lui, il est venu au masjid pour demander de la zakat. Il veut avoir de l'aide, n'est-ce pas? Alors, il y a probablement une personne dans la mosquée qui est responsable de la zakat, etc. lors du temps du prophète, alayhi salatu salam. Il a dit, il y a quelqu'un qui vient de me ramener ses dananir, de l'or, pour la donner en tant que sadaqa, alors prends-la. Tu es arrivé au bon moment. Lui, il est sorti, il est revenu chez lui. Il est parti chez son père, il a dit, regarde, je suis parti à la mosquée, je suis nécessiteux, je n'ai pas d'argent, etc., etc. J'ai demandé qu'on m'aide, et il y a quelqu'un qui m'a dit, prends cet argent, quelqu'un vient de me le donner comme sadaqa. Il a dit, non, 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 ça c'est mon argent. Wallahi ma iyaka arat. Il a dit, c'était pas mon intention de donner l'argent à mon fils, je ne veux pas donner l'argent à mon fils, c'est une sadaqa. Je veux la donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, wallahi par Allah, c'est pas toi que je voulais qu'il prenne cet argent. Ça veut dire, remets cet argent au masjid. De nos jours, si quelqu'un il va faire comme ça, les gens vont lui dire, ya akhi, c'est ton père, obéis-le, etc., etc., birrul walidayn, etc., alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question ici de droit, n'est-ce pas? Alors, fakhasamahu ila nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dit, ok, on va aller chez le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il va trancher entre nous. Même si tu es mon père, mais je suis pauvre, j'ai besoin de l'argent, ça, on me l'a donné au masjid, c'est ma partie de zakat pour pouvoir nourrir ma famille, je veux le garder. Alors le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا مَعْنُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا زَيْد, ou bien si c'était le contraire, je pense, مَعْن et زَيْد, l'un qui est fils de l'autre, il a dit au père, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, toi, tu as ce que tu avais l'intention de faire, ça veut dire, toi, niya pour la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser, toi, tu as pris ton argent du masjid, en tant que sadaqa, tu l'as pris, il t'appartient maintenant, alhamdulillah, c'est ton halal et ton risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé une religion qui est claire avec des droits et des obligations. Il ne faut pas mixer la dimension de l'akhira avec la dimension de ad-dunya. C'est parce que dans le hayat ad-dunya, si tu vas voir dans les livres de fiqh, tu vas trouver tout un chapitre qui s'appelle al-qada, la justice. Et la justice que Allah subhanahu wa ta'ala, tant que cette justice-là est en accordance avec la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, la justice de cette dimension-là ne donne aucune importance à l'akhira. Tu ne peux pas aller chez le juge et lui dire l'akhira ou l'yom l'akhir, etc. Non. Dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un chapitre sur la justice qui ne regarde ni si toi tu es croyant, mécréant, bonne personne, mauvaise personne. Il va regarder les preuves selon un processus spécifique, c'est qui a droit, c'est qui n'a pas droit. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que vous, les sahabas, vous venez chez moi pour vous disputer entre vous. Même sahaba, ils se disputaient parfois sur une question de terre, de bien, etc. فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ سَلَّمَ alayhi sallam. Alors peut-être que certains d'entre vous savent mieux s'exprimer que d'autres. Ça veut dire, le coupable va se présenter comme la victime. Et la victime ne sait pas s'exprimer, ne sait pas exprimer ses preuves, etc., etc. Alors le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, va juger selon ce qu'il voit, mais il dit, celui qui prend quelque chose de haram, même si le juge lui donne ça et qu'il sait que ça c'est haram pour lui, alors gare à lui devant Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyam. Et tu trouves beaucoup dans le livre de fiqh, parfois, surtout dans les questions de mariage, etc., ils vont te dire, يَحْرُمُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً. C'est interdit religieusement, mais pas dans la justice. Ça veut dire, dans la justice, ce n'est pas quelque chose que tu peux prouver ou bien ne pas prouver. Ça reste avec les preuves qui sont apparentes. Le qadi, il va te dire, ah, toi, tu n'as pas ramené de preuves, alors c'est lui qui a raison. Mais دِيَانَةً, par la foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre dimension. Regardez. Donc, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est venue pour préserver les droits de toute personne. Donc, toi, tu as le droit de dire à ton employeur, tu ne payes pas assez, je voudrais avoir une augmentation de salaire, etc., etc., tant que ce n'est pas contraire au contrat et aux engagements que tu as fait avec ton employeur dès le début. Non. D'autres questions? طيب on va s'arrêter ici inshallah ta'ala et à la prochaine semaine bi'idnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.